بونسوار ناس كل مرحبا بكم دونك آه euh, عندنا سيري دو اليوم نبداو فيه ان شاء الله دونك euh, نفكركم انه خلينا ليكزيسيس سانك في السيري اون هكا حولناه في السيري دو دونك اون فا روبروندر اللي بقالنا من السيري اللي فاتت وهكا زدناه okay. لابارتي دي فراكسيون اريكس اللي باش تجينا من بعد Donc, l'exercice réveil, on va faire en quelque sorte la liaison entre la cristallographie géométrique et la diffraction des rayons X. Donc, la partie Lula fait donc des rappels de notions de cristallographie géométrique. Donc, on va considérer une structure tridimensionnelle. Je mets donc la structure 1 qui est définie comme celui. Donc tout d'abord, la maille élémentaire est une maille cubique qui a un certain paramètre O. Ensuite, le motif qu'on trouve dans cette structure-là est constitué de deux atomes. Donc, un atome de l'espèce O à l'origine et un atome de l'espèce B au centre de la maille. Donc on appelle espèce A. Et espèce B, il s'agit de deux atomes diffé différents. Okay? Donc, euh, on a deux atomes différents. Alors, première question, on demande de représenter la maille en perspective. Donc, on va donner une représentation perspective. Présentation perspective de la maille. Donc, alors on va donner donc la maille. Pour cela, je vais utiliser le cube suivant. Donc, qu'est-ce qu'on a L'atome de l'espèce A occupe tout d'abord l'origine. L'origine. Donc, je vais mettre l'atome A, par exemple, comme ça, à l'origine. Mais on a les translations ABC. Donc, l'atome A va se trouver aussi sur tous les sommets de la maille, n'est-ce pas Donc, on a un L'origine tan il est là. Ensuite, on a la translation A ici. La translation B ici sur l'axe des Y et la translation C comme ça. Donc ça c'est l'atome A. Ma non L'atome B, il est où espèce donc l'atome de l'espèce b nous ajoute le point de coordonnées 1,5 1,5 1 c'est à dire au centre de la maille donc au centre de la maille on va avoir un atome b les rois différents de l'atome a donc ça c'est b ok donc où est le motif dans ce cas là Le motif, c'est ça. C'est l'ensemble de deux atomes, l'atome A plus l'atome B. Okay? Donc, c'est le motif. Le motif se répète par les translations du réseau, les homas A, B, C. Qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire la représentation de la maille en remplaçant le motif par un point. On va remplacer tout ça par un point. Donc, lorsqu'on remplace le motif par un point, le point qu'on va obtenir, ça va être quoi? On l'appelle comment? On l'appelle nœud, nœud de réseau. Donc, on passe de la structure. Tout ça, c'est une maille de structure. Donc, de la maille de structure. On va passer à ce qu'on appelle la maille de réseau. Donc, je vais indiquer l'un. Ça, c'est une maille de structure. Donc ici, cette maille décrit la structure cristalline dans une structure. Qu'est-ce qu'on voit On voit des atomes. Parfois, on voit des molécules, ou des ions. Ici, c'est des atomes. Donc, Donc là, on va avoir la maille de réseau. Donc, on passe de la structure au réseau. Donc on va reproduire une autre fois une maille cubique, elle est en quelque sorte identique à la première. Mais je dois rétrécir un peu comme ça. Voilà. Alors, si on remplace le motif par un point, le col, beige par un point. Donc je vais choisir une couleur. Différentes pour ça. Donc, euh, par exemple, couleur orangée. On va avoir un point ici. D'accord, là Bien sûr, l'origine, il est toujours le même. On va avoir l'origine O ici. Les vecteurs de translation de base, O, a, a, B et C. Donc, là, on a A. Ensuite, B. Ensuite, C. Donc, les translations à qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont reproduire ce nœud-là, ici, ici et là. Au bas, à partir de ce nœud-là, kif-kif, en appliquant A, on va avoir un nœud ici. En appliquant B, on va avoir un nœud ici, et ainsi de suite. Donc, tous les sommets seront occupés par des nœuds, comme ça, comme ça, comme ça, et ainsi de suite. Donc, on rappelle que une maille, c'est quoi? C'est tout parallélépipède dont les sommets sont des nœuds. Okay Alors, à la question. Est-ce qu'on va avoir un nœud similaire ici au centre de la maille ou non? C'est ça la question qu'on doit se poser tôt. Donc, pour la maille de structure a un atome qui occupe le centre de la maille. Est-ce que le paysage va être exactement le même lorsqu'on est dans le réseau Oui ou non Qu'est-ce que vous proposez Donc, s'il vous plaît, euh, une proposition qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on doit vraiment avoir la même, exactement la même représentation Est-ce que je dois reproduire un nœud ici Est-ce que ça, c'est correct ou non Alors, donc, je peux conclure que vous avez des difficultés au niveau de la, la notion de motif. Alors, bien sûr, on n'a rien ici. Donc, on doit l'éliminer. Qu'est-ce motif Je m'en ai un motif. Motif, c'est quoi donc, on va rappeler ce que c'est le motif. Donc, ça, c'est la maille de structure. Ben, motif. Donc, on a un rappel. C'est quoi le motif? Qu'est-ce qu'on entend parler du motif Le motif, c'est la plus petite unité répétitive par les translations du réseau. Donc, tout ce qui se répète en appliquant les translations du réseau. Donc, je vais essayer de décaler ça. Donc, c'est donc le motif, c'est le plus petit ensemble ou la plus petite entité répétitive. par les translations du réseau. Je nomme les translations du réseau dans ce cas. Est-ce qu'on peut dire que le passage de l'atome A vers l'atome B se fait par une translation Est-ce que ça, ce vecteur-là de coordonnées 1,5a, plus un demi B, plus un demi C est une translation du réseau? Oui ou non? Donc, euh, je ne sais pas si mes questions sont bien transmises. Vous m'entendez bien? Donc, je crois qu'il y a un petit problème de. Mm. Bon. Alors, ça, ce n'est pas une translation du réseau, ok? Heavy, mais est translation du réseau? S'agit pas d'une translation. Allez. Kater, ce vecteur là ne reproduit pas le même atome ici. On n'a pas le même atome. Mais deux atomes différents, ok? Ah, parfait, donc vous m'entendez bien. Donc merci. Donc, ça, ce n'est pas une translation du réseau. Tu que tu as les translations du réseau. Si on reproduit exactement la même chose, il y a un atome A, il y a un atome A. Tu vois, tu as la translation. Mais, il on a un atome de l'espèce A ou a un atome de l'espèce B. Alors ça, ce n'est pas une translation du réseau. Voilà qu'à il faut ces deux atomes-là pour définir le motif. Donc qu'est-ce qui se répète périodiquement Ce n'est pas un seul atome, mais c'est l'ensemble des deux atomes A et B, ok Donc, si on applique la translation A sur cet ensemble-là, on va reproduire le même ensemble dans une maille voisine, en avant, donc, je vais retrouver l'atome B en appliquant la translation A, comme ça. Okay. Donc, je vais l'atome B ici et on va reproduire le motif ici. Si on applique la translation B, on va reproduire ça, comme ça. Donc, je vais appliquer l'atome B là-haut, A, et ainsi de suite. Donc, finalement, si je passe au réseau, est-ce qu'on va avoir un nœud ici Non, il n'y a rien. Ok, donc la maille du réseau est-ce que c'est une maille centrée? Elle n'est pas centrée. Donc la maille du réseau est une maille primi primitif. réseau, -ma, les points, donc chaque point situé à les sommets représente quoi? Représente le motif. Ok. Donc chaque point représentant le motif est appelé nœud tout simplement. Et définitions nœud, Autrement dit, il s'agit des extrémités des vecteurs de translation. Ça est, est, est une translation. Ça aussi est une translation. Hein? Si je combine deux translations hein, selon une combinaison linéaire qui utilise des euh, coefficients entiers, metthélène a plus b, a plus b, donc ce vecteur-là, et aussi une translation du réseau. Okay. Donc, toute combinaison linéaire qui utilise des coefficients entiers est aussi une translation de réseau. Mais pas ça. Ça, demi A plus demi B plus demi C, la combinaison linéaire ici utilise des fractions des entiers et non pas des entiers. Ça, ce n'est pas une translation du réseau. Okay. Alors, donc, chaque point représentant. Le motif est appelé nœud du réseau. Il s'agit d'un nœud du réseau. Donc, nœud du réseau. Donc, c'est clair. Hein? B. Alors, la question suivante. Quel est le mode du réseau Est-ce qu'il s'agit du mode I, ou le P, ou le F Nous ben avons le système cubique. Donc, il y a un cubique. Il y a trois modes possibles. Nous avons un cubique primitif, ou la est ou à face centrée. Donc, là, si il centré, le mode I, est caractérisé par la translation spécifique de mi-A plus demi-B plus demi-C, que ce n'est pas une translation. Donc, mode, il faut travailler sur la maille de réseau. Donc, on ne voit que des nœuds au sommet seulement, il n'y a rien... Ailleurs, Donc, il s'agit tout simplement du mode primitif. Autrement dit, les seules translations sont A, B et C. Il n'y a pas de translation supplémentaire. Donc, ça, c'est la question C. Donc, un c La mise en amont sur le C. Donc, toujours fait la question 1B. Voilà. Voilà, c'est bien. Donc, c'est le mode primitif. Voilà. Donc, le mode du réseau est primitif. Pourquoi Donc car voilà, en effet les nœuds occupent seulement les sommets de la maille, donc madame, les sommets n'ont euh, pas, pardon, les, les nœuds n'ont pas, sur les sommets, c'est-à-dire que cette maille-là, la maille de réseau, est-ce que c'est une maille simple ou multiple? Et multiplicité m'tal maille, puisqu'on est égal à à 1. Ok, donc donc. La maille est simple. Donc, il y a une multiplicité de m. Je ne vais pas dire que je vais un 8e, ça fait 1. je vais dire Donc, donc, maille que maille simple c'est une maille qui contient un que que cela est bien clair pour tous. Donc le mode ici, c'est le mode primitif, mode P. B. Alors, question suivante. On demande de représenter dans la maille les plans réticulaires d'ordre 1, c'est-à-dire le premier plan après l'origine suivant. Donc 0, 1, 0, ensuite 1, 1, 1. Donc je vais représenter directement dans la maille. 0, 1, 0, je m'en ai 0, 1, 0. Donc, à partir des indices HKL, il faut déterminer les intersections avec les axes. Donc, intersection avec les axes. Quelle est l'intersection avec l'axe des X Quelle est l'intersection avec l'axe des Y Et quelle est l'intersection avec l'axe des Z Donc, il faut prendre les inverses. X0, c'est l'infini. Y0, c'est 1. Et Z0, c'est l'infini. Donc, c'est un plan parallèle à la fois. Euh, au vecteur A et au vecteur C, et il coupe l'axe des Y en Y0 égale à 1. Donc, c'est tout simplement la face AC, qui est celle-là. Donc, ça, c'est le plan 0, 1, 0. Donc, euh, je vais utiliser une couleur pour ça. Alors, bon, je vais prendre par exemple ça. Donc, je dois refaire ça. Donc, parfois les choses ne marchent pas correctement. Alors, voyons, voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est le plan d'ordre 1, c'est-à-dire le premier plan après l'origine. Plan 1. Donc, pardon, 0, 1, 0. OK donc, c'est la même famille. Ça aussi, ça appartient à la même famille. C'est toujours 0-1-0. Le d'ordre combien Ça, c'est d'ordre 0. On a acheté d'ordre 1. Le premier plan après l'origine, c'est ça. Donc, l'origine. Ça, c'est le plan qui passe par l'origine. Ensuite, vient ça, le plan d'ordre 1 dans la même famille. Ensuite, qu'est-ce qu'on demande Le plan 1-1-1. Kif-kif le premier plan après l'origine, 1, 1, 1. Donc, 1, 1, 1, il intercepte les axes en x0 égale 1, y0 égale 1, z0 égale 1. Donc, on va voir par exemple ça. Voilà. Donc, ça, c'est le plan 1, 1, 1 qui est aussi d'ordre 1. Donc comme ça, on a répondu à la question C. Bien. Donc, donc j'espère que c'est bien clair. Hein? Première question, heavy. Des questions comme des questions ou la page avant de passer à la question suivante. Donc, si c'est clair, alors on passe à la question suivante. Alors, question 2. Question 2. on va considérer Tawa une deuxième structure. Donc la structure 2, elle est obtenue en remplaçant dans la structure précédente l'atome B par un atome de l'espèce A. Donc on avait deux atomes différents, A et B Tawa, B et A. Donc tous les atomes deviennent ident identiques. Et on va représenter la nouvelle maille. Donc on demande le mode du réseau dans ce cas mais avant de donner le mode de réseau je vais euh, donner donc euh, la maille que devient la maille dans ce cas là alors donc tous les atomes tawa ouale identiques, colon des atomes A donc je vais mettre en vert Donc ça, c'est l'atome A. On reproduit l'atome A sur tous les sommets. Tous les sommets. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on a aussi un atome A au centre de la maille. Donc l'origine, on a là. Ici, on a les vecteurs A, B et C. Alors, quel est le mode de réseau Deuxièmement, A. Est-ce que le mode Bichabka primitif qui m'a décrit, ou elle il va changer Donc, l'atome A est partout. Hein either A ou Z de A. Donc, Ah, ça me une question, Michel. Donc, ça me connu, c'est la famille 1-1-1. C'est quoi le plan d'ordre 0 Bien sûr. Donc, c'est le plan d'ordre 1. Allez, je vais chercher l'équation. Comment s'écrit son équation Elle s'écrit 1 fois x plus 1 fois y plus 1 fois z. Quoi, égal, égal, 1. هذاك علاش لوردر يقال ان لوردر زيرو باش يكون لو بلان باراليل كي باس بار لوريجين تو سامبلومون دونك اون بوانتي باش يكون كيما هكا ها وبطبيعه الحال لي زانترسيكسيون افيك لي ما حناش باش نلقاو دي زانترسيكسيون ا بار لوريجين خاطر لو بلان يل كونتيان لوريجين Ok, Donc, il faudra faire des, euh, des projections et des différentes vues. Il faut projeter sur euh, le plan euh, XZ, hein, comme ça, en regardant par la gauche, pour tracer les traces. Donc, je trace le plan d'ordre 1 comme ça, ensuite le plan d'ordre 0 comme ça. il contient l'origine donc باش يكون عندك لي زاكس كيما هكا اكس زيد لوريجين الى لا اللي صورناه احنا هو هذا تي ايغال ان والاخر باش يكون باراليل عليه دونك لي بروجيكسيون هذو ما يظهرون لي تراس نتاع الفامي دو بلون ريتيكولير اوكي والايكواسيون باش تكون براتيكومون هي بيدها مي لو سكون مومبر دو ليكواسيون باش يكون زيرو او لو دو ان باه نرجعوا تاو لهنا Nous savons que les atomes sont identiques. Est-ce que le motif, ou le motif de la question Donc, nous avons les translations A, B, C, sont les translations du mode primitif. Est-ce qu'on a une translation supplémentaire ou non Regardez, l'atome, l'image de l'origine, l'atome A, il est reproduit au centre de la maille. Donc, qu'est-ce qui reproduit un atome? C'est toujours une translation. Donc, on a une nouvelle translation. Une translation supplémentaire. heavy. Ça, c'est une translation. OK? Donc, translation heavy, si on la décompose comme ça. Donc, je dois refaire. On va la décomposer comme ça. Ensuite, comme ça. Et comme ça. Donc, cela va donner quoi Demi-A, plus demi-B, plus demi-C. OK Donc, finalement, le mode jno biji match, mode P, C, le mode I. Donc, en plus des translations fondamentales. Les HOMA a, B ABC, donc les translations de base, les translations fondamentales, on a les paramètres vectoriels de la maille tout simplement. On a une translation supplémentaire. Donc, translation supplémentaire, est T à quoi est égal Demi A plus demi B plus demi C. Donc, translation heavy, elle permet de retrouver cet atome-là au centre. Donc, si je passe à la maille du réseau, ça c'est la maille de structure. Et quand tu as la maille du réseau, est-ce que tu as un peu de temps On va retrouver la même chose, chaque atome sera remplacé par un nœud. Donc, HED sera remplacé par un nœud ou z sera remplacé par un nœud. Donc, on va retrouver un nœud au centre de la maille. Donc, ici, dans ce cas-là, on peut confondre maille de structure et maille de réseau, c'est la même chose. Ben, alors, question suivante, que devient le motif et on va justifier. Donc, le motif Le motif était ça. Ensemble de deux atomes. Il est constitué des atomes A et B. Est-ce que Béchikoun ensemble de ces deux atomes-là ou elle-là? Donc, le motif par définition, c'est la plus petite entité qui se répète par les translations du réseau. La plus petite si je considère cet ensemble-là, est-ce qu'il s'agit d'une unité répétitive par les translations ou non Oui, c'est une unité répétitive. Lorsqu'on applique les translations ABC, on va reproduire ça dans les trois directions de l'espace. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que c'est la plus petite entité répétitive C'est la question. Ça, ce n'est pas la plus petite. Si je considère... Un seul atome. À partir d'un seul atome, on peut retrouver toute la structure. On applique tout d'abord ABC. Nous on applique la translation spécifique. Madame, a des translations supplémentaires. Donc, un seul atome suffit pour euh, constituer toute la structure en appliquant les translations du réseau. Donc, les translations supplémentaires, c'est-elle fait partie des translations du réseau Ok. Donc, translation Mohamed Donc, ça, c'est la translation spécifique du mode I, tout simplement. Donc, il s'agit de la translation spécifique du mode I. Donc ça, c'est le mode I. Donc finalement, il s'agit donc du réseau centré. Le réseau, cette fois-ci, est centré. Donc mode I, et non pas mode P. Voilà, c'est bien clair pour tout ça. Donc, du fait que tous les atomes sont identiques, le motif, voilà, un seul euh, donc, atome et le mode, c'est toujours I. Donc, le motif, cette fois-ci, ça devient un seul atome. Donc, on, a, on demande que devient le motif. Donc, le mode, madame, des translations supplémentaires, alors le mode est I. Donc, comment on va définir le motif Le motif, ce n'est pas tout ça, c'est un seul atome. Elle est au l'atome A. Donc, deuxièmement, petit b. Donc, les translations du réseau. Elle est A, B, C et... La translation spécifique T qu'on a posée ici, donc l'ensemble de ces translations permettent quoi Permettent de constituer toute la structure à partir d'un seul atome. Donc toute la structure à partir d'un seul atome. Donc lorsqu'on part d'un seul atome, on lui applique toutes les translations du réseau. On va le retrouver au sommet. Ensuite, on applique la translation spécifique. Cela va reproduire le même atome au centre de la maille. Donc, comme ça, on retrouve toute la structure. Madame maille donc la juxtaposition de mailles identiques va donner donc, toute la structure. Okay donc, conclusion. Il faut combien d'atomes pour définir le motif C'est un seul atome. Madame Andy, à partir d'un seul atome, l'application de translation du réseau t'a toute la structure. Alors, le motif, c'est un seul atome. Donc, le motif est constitué d'un seul atome lié à l'atome de l'espèce A. Donc, on peut dire que le motif ajoute à l'origine par convention et qu'on a un seul atome qui constitue le motif. On met l'atome à l'origine. Ça, c'est une convention. Donc voilà. J'espère que ça est. Bien clair pour tous. Donc la notion de motif c'est une notion extrêmement importante. Ça va euh, permettre la compréhension par la suite des structures métalliques et des structures ioniques ou covalentes. Dima, à chaque fois, on demande le motif. Le motif, c'est l'ensemble répétitif par les translations du réseau. Donc, Menech, Menechka, le motif, et le Meneharf, les translations du réseau. Pour déterminer le motif, il faut toujours voir quelles sont les translations du réseau. Donc c'est tout ce qui se répète par les translations du réseau, mais il faut choisir toujours la plus petite entité, le plus petit ensemble qui se répète par les translations du réseau. Donc j'espère que ça est bien clair pour tous. Alors à la question suivante. On va représenter dans la maille les rangées 0, 1, 1 et 1, 1, 1. Donc, ce sont des rangées réticulaires. Donc, je vais représenter directement une nouvelle maille. Donc, ça, c'est la question D. Donc, euh, rangée, donc C et D. Les questions, deuxièmement, C et D. Deuxièmement, C et D. Ensemble. Donc, on a cubique. Et on va représenter donc les deux rangées. Alors, comme d'habitude, on met l'origine ici. On a les vecteurs O, B et C. Alors. Donc l'atome A il est au sommet au centre de la maille. Alors, rangez 011. Euh, On 0 1 011". Alors, ranger 0 1, 1. Je m'en ai à 0 1, 1. Je m'en ai à les indices 0 en 1. 1. Ils mettre les coordonnées du vecteur directeur de la rangée. Donc V va s'écrire comme 0 fois O plus 1 fois B. Pardon. Donc plus 1 fois B plus 1 fois C. Donc, tout simplement, on voit le vecteur B plus C. Donc, il suffit de faire le parcours vectoriel à partir de l'origine. On parle de l'origine, le hein, parcours vectoriel euh, B, ensuite C, comme ça. Donc, ce parcours vectoriel-là va nous euh, aboutir. Donc, il va nous conduire au deuxième nœud sur la rangée. Donc, la rangée Mtana, elle passe par l'origine, ensuite elle contient ce nœud-là. OK donc, c'est comme ça qu'on représente les rangées réticulaires. Donc, rangées réticulaires, on une épaisseur comme ça, مثale. Alors. Voilà. Donc, heavy, la rangée. 0 1, 1. Ensuite, la rangée suivante, hier, 1 1, 1. Donc, pour la rangée 1 1, 1, le vecteur période et le vecteur directeur, c'est si A plus B plus C. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire le parcours vectoriel comme ça, une fois a, ensuite une fois b, et on termine par une fois c. Donc, les deux nœuds successifs. Bon, je suis successif. La il Donc, deux nœuds sur la rangée. La rangée contient la grande diagonale de la maille euh, cubique, et on va voir donc ça. ça c'est l'arrangé 1, 1, donc j'espère que ça c'est bien clair donc pas de questions jusqu'à maintenant hein? alors si vous des questions ou des choses, comme, qui ne sont pas vraiment claires n'hésitez pas à me le signaler Alors, on demande d'exprimer le vecteur période de la rangée. Vecteur période. Je ne vois dire vecteur période. Est-ce que c'est le vecteur période Donc, est-ce que le vecteur période correspond toujours au vecteur directeur donc, ça, c'est un vecteur directeur. Bon, en réalité, on peut écrire beaucoup. Donc, une infinité de vecteurs directeurs. L'essentiel est de connes est et contenu dans la rangée. Donc, B plus C pour la rangée 0, 1, 1, oui, c'est le vecteur période. À la 4, il sépare deux nœuds successifs. Donc, là, on doit rappeler ça vecteur période. D'une rangée. Donc, ils m'éconnent séparateur de deux nœuds successifs. les deux nœuds ils ont les extrémités du vecteur période donc grand n pour la rangée 0 1 1 je ne donc on a deux nœuds successifs arrangés en bleu le vecteur période c'est ça au de b plus c donc pas de problème mais donc pour la rangée 0 1 1. Mais pour la rangée 1 1 1, si on regarde bien la rangée 1 1 1, elle passe par ces trois nœuds là. Alors est-ce que le vecteur période, je connais le code, l'écrite v égale a plus b plus c. Est-ce que ça est vrai? Bien sûr que non. À la 4, ce vecteur ne sépare pas deux nœuds successifs. Donc, à mi-chemin, au milieu, on a un autre nœud intermédiaire. Donc, le vecteur période, Donc, c'est la moitié de ça. Donc, n indice euh, 1, 1, 1, Checun, 1, 2, o plus 1, 1, 1, o 1, 1, demi-b, plus 1,5 c. Donc pour résumer euh, les coordonnées du vecteur euh, période, Mahomesh oui. Badvarura les indices UVW euh, qui définissent la rangée réticulaire. Donc cela est vrai lorsque on travaille sur une maille simple, Manetta, mode primitif. Ici, ça, ce n'est pas une maille simple, ça, c'est une maille centrée. Euh, donc à propos de multiplicité de la maille que nous avons donc euh, le réseau est centré mode I cela signifie que la maille n'est pas simple hein? donc la maille est une maille double mmh. bon on n'a pas écrit ça mais bon c'est pas c'est pas un problème bon donc, j'espère que c'est bien clair. Alors, on va passer à la question suivante. Déterminer les indices de Miller du plan réticulaire qui contient les deux rangées 0, 1, 1, 1 et 1, 1, 1. Donc, le plan réticulaire ça va être quoi Ça va être ce plan-là, le plan qui est défini par ces deux rangées. Donc, je vais essayer de le marquer. Donc, je vais essayer de la, le marquer avec une couleur. Bon. Par exemple, ça. Donc. Si je fais comme ça. Ensuite, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire On va chercher les indices de Miller pour ce plan-là. Donc, HKL. Donc, c'est quoi cette famille HKL Ce plan réticulaire qui est défini par ces deux rangées. Mmh. 0, 1, 1 et 1, 1, 1. Donc ça, c'est la question E. Alors. Donc on va poser P, euh, le plan réticulaire. Défini par les oranges zéro en 1, un 1 et 1, 1, 1. en un On va chercher euh, les indices HKL pour ce plan-là. Donc, cherchons les indices HKL du plan. Alors, tout d'abord, l'équation du plan. L'équation du plan P, elle s'écrit comment Elle s'écrit comme H fois X plus K fois Y plus L fois Z égale T. T, c'est quoi C'est l'ordre du plan. Et quand le plan il passe par l'origine, il T égale 0. Alors, d'après vous, l'ordre qu'est Izmikoun Regardez bien le plan. le plan pour lequel on cherche les indices. Donc, le plan il passe par l'origine. C'est normal. Il contient ces deux rangées. Chacune de ces deux rangées contient le nœud à l'origine. Donc, c'est un plan qui passe par l'origine. Donc, dans ce cas, t égale 0, tout simplement. Le plan passe par l'origine. P passe par l'origine. Alors, si on considère un point M de coordonnées x, y, z appartenant au plan P, alors qu'est-ce qu'on a Point M, quelque part. Un point M, ici. Donc, à partir de l'origine, on peut poser trois vecteurs. Par ce vecteur-là, le vecteur directeur de la première rangée. Ensuite, ce vecteur-là et le vecteur OM. Donc, les trois vecteurs... Donc, par exemple, OM, il est haut X, A plus Y, B plus Z, C. V1, vecteur directeur de la rangée 0, 1, 1, donc A plus B. V2, vecteur directeur de la deuxième rangée, il est haut à A plus B. Plus C, je vais vous un vecteur période, n'importe quel vecteur directeur, il est a un A plus B plus C. Alors, ces trois vecteurs-là sont comment Je dis, il y a plan. Il y a V1, il y a V2. OM, il est toujours dans le plan. Bon, c'est un peu pincé, hein. il faut t'assurer, le plan est un peu pincé à l'aral, mais bon. Donc, l'essentiel, les trois vecteurs Hedhuma sont coplanaires. Donc, comme le phrase, sont coplanaires. Madame, les trois vecteurs sont coplanaires. Alors, donc, leur produit mixte est nul si on fait OM. Vectoriel, la banane scalaire, donc V1 vectoriel V2, tout ça est égal à zéro. Donc comment exprimer ce produit euh, mixte On l'exprime sous la forme d'un déterminant. Dans ce déterminant-là, on met les coordonnées du vecteur OM dans la première colonne, x, y, z. Ensuite, les coordonnées de V1, les OMA. Donc, on va voir X, Y, Z par exemple en première colonne. Ensuite, 1, 1, 0. Donc, ici, je crois que je me suis trompé. Hein? Donc, euh, V1 et B plus C. Hein? Donc, je dois corriger ça. Donc, A plus B et B plus C. Donc, là, on a, on a B plus C. Alors. Donc, première colonne, puisqu'on x, y, z. Ensuite, deuxième colonne, b plus c. et 0 1, 1. Troisième colonne, les coordonnées de v2, c'est-à-dire 1, 1, 1. Alors, le déterminant de cette matrice-là doit être comment Doit être nul. Pourquoi Parce que les trois vecteurs sont coplanaires, donc ils sont linéairement dépendants. Leur produit mixte est nul. OK Donc, cela nous conduit directement à ça. X, Y, Z, les coordonnées du vecteur OM, 0, 1, 1, les coordonnées du vecteur V1, 1, 1, 1 les coordonnées du vecteur V2, ce déterminant est égal à 0. Et donc, tawa, qu'est-ce qu'on doit faire On doit développer le déterminant par rapport à la première colonne pour avoir trois termes terme il y a une coordonnée, soit x, soit y, soit z. Donc, euh, on arrive à l'équation générale du plan P, qui est sous cette formule-là. Donc, il y a l'équation heavy, il y a hx plus ky plus lz égale 0, à partir de ça. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir On développe suivant la première colonne donc m'leu le premier terme terme du x ce déterminant là c'est à dire 1 1 1 1 fois x ensuite moins le déterminant suivant 0 1 1 1 fois y. Ou bad. Le terme de Z, 0, 1, 1, 1, Donc tout ça égal 0. OK? Donc, ça c'est quoi? 0 et ça donc on a 0 moins 1 ou bas d'an assini moins donc head alcohol mais je suis plus 1 ok ensuite ça c'est quoi? Donc 0 moins 1 c'est moins 1 Donc, finalement, l'équation du plan P, ça va s'écrire comment Donc, plus 1 y et moins 1 fois z égale 0. Alors, c'est quelle famille H, K, L. H 0. K, c'est plus 1. Et L. C moins 1 donc il s'agit de la famille 0 en bas. donc c'est bien clair j'espère pour tout le monde mmh, oui non. Donc, euh, le plan passe par l'origine. Donc, a la question Elle est suivante. Donc, on a une question. Est-ce que l'écriture, déterminant égal 0, ça traduit le fait que le plan passe par l'origine? C'est hein? une bonne question. Donc, double ça, déterminant égal 0, ça ne traduit pas ça. Euh, pardon, ça ne, traduit, ça ne traduit pas ça. Ça ne traduit pas le fait que le plan passe par l'origine. Mais ça traduit la, euh, le fait que les trois vecteurs sont coplanaires. Quand je me dis le plan ne passe pas par l'origine, dans le cas général, je vais un plan comme ça. Si je considère ça, euh, ce plan-là, cette face ne, ne passe pas par l'origine. Ok? Mais, quand on a trois vecteurs dans face, le produit mixte est nul. Allez, quatre trois vecteurs dans un le... même plan sont indépendants, il y a une relation. Donc, madame, il y a une relation entre les colonnes. Quand a trois coordonnées, si j'écris les coordonnées de chaque vecteur dans une colonne comme ça, et si les trois vecteurs sont dépendants linéairement dépendant produit nul dans un dans un même plan alors le fait d'avoir une relation entre ces trois vecteurs cela implique que le déterminant est égal à zéro ceci est dicté par l'algèbre des, des matrices ou des, des déterminants qui donc le déterminant nul traduit la dépendance linéaire des trois vecteurs le fait que les trois vecteurs sont coplanaires donc tant hein. Donc euh, les vecteurs et doma on dit que, euh, que les vecteurs sont linéairement dépendants. Hein. Ils sont linéairement dépendants. Je m'en linéairement dépendant. Maintenant, là peut s'écrire sous la forme d'une combinaison linéaire des deux autres V1, V2. Je peux écrire que OM va s'écrire comme alpha V1 plus bêta V2, tout simplement. Je linéairement dépendant. Donc à partir de là, on tire que ce déterminant est forcément nul. Okay. donc déterminant nul, ça traduit la dépendance linéaire des trois vecteurs. Bénéz, ben, en chimie, bon, on ne s'intéresse pas beaucoup aux propriétés algébriques, mais l'essentiel, c'est de savoir exploiter cette propriété pour déterminer les indices de Miller HKL. C'est ça le plus important. Ok, bien, donc, tawa, j'espère que c'est bien clair. Hein? Donc, vous euh... avez le fait que le plan passe par l'origine, ça c'est c'est l'ordre. Le plan passe par l'origine, alors on a ça. C'est le second membre de l'équation. Le, le second membre de l'équation est égal 0. Le second membre est On dans la première colonne j'ai x, y, z directement. Mais le plan ne passe pas par l'origine. On aurait par exemple, x moins x0, y moins y0, z moins z0. Et donc, on va batté le second membre qui sera différent de zéro. Donc, ça, c'est un cas encore plus général. Bien, donc, question 2, c'est bon. On va entamer la troisième euh, question. Donc, un récap sur euh, la cristallographie géométrique, donc les notions de cristallographie géométrique. Tawa, on va passer à la radiocristallographie, donc euh, l'utilisation des rayons X pour la caractérisation euh, des substances cristallines. Donc, ça, c'est l'objectif de la radiocristallographie. Alors, donc question 3. Voilà, voilà. Alors voyons un peu la, la, la question 3. Donc question 3, on va considérer une substance cristalline. Donc, on sait que cette substance doit appartenir à une des deux structures 1 et 2, les homins décrites plus haut, les konanan Donc, ou bien structure 1, mode P, ou bien structure 2, mode I. Donc, on a un doute pour cette substance-là. On doute si elle appartient à la première ou à, elle à la deuxième structure. Donc, pour lever ce doute-là, on va soumettre. Un échantillon de cette substance, l'échantillon de poudre cristalline, c'est-à-dire une poudre constituée d'un grand nombre de microcristaux. Donc, euh, cette poudre est soumise à l'analyse par la méthode de dubaï sherer Donc, méthode de dubaï sherer qui m'a chauffé tout le cours, c'est une méthode qui consiste à... Euh, éclairer l'échantillon par un faisceau de RX monochromatique et on va détecter les rayons diffractés. On obtient un diffractogramme. Donc le diffractogramme est obtenu à partir d'un film photographique euh, donc, euh, mis dans une chambre circulaire de rayon R. Donc l'essentiel on donne les angles de diffraction. Bon, ce n'est pas exactement l'angle de diffraction, c'est l'angle d'incidence, l'angle de Bragg, mais par abus de langage, on confond parfois l'angle de diffraction et l'angle de Bragg. Donc, à partir de ces angles-là, donc, on a combien de valeurs 3 6 8 8 valeurs. On va calculer tout d'abord l'équidistance des HKL, des plans responsables de chaque réflexion. Ensuite, on va déduire le mois du réseau auquel appartient et on va donc trancher si la substance appartient à la structure 1 ou à la structure 2. Donc, parmi les deux structures, il y a Et à la fin, on va déterminer le paramètre de la maille. Alors, donc tout d'abord, ne euh, je connais ce que Karim dit à je suppose que tout le monde a déjà fait le chapitre de diffraction des rayons X en classe. Je suppose. Est-ce que je dois faire un petit rappel de cours Donc, aucune réclamation. Donc... Donc, tout le monde a vu ce cours-là déjà. Okay. Bien. Alors. Donc, Ben on fait le calcul. Juste un petit rappel. Donc, euh, un petit rappel. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, si on considère une famille euh, de plans réticulaires. Une famille réticulaire, comme ça, en donc un a le phénomène de diffraction, on va le résumer en disant que un faisceau de Rx sera réfléchi hein, sera réfléchi par une famille donnée, donc ça c'est une famille HKL, bon, on va mettre la couleur, Donc, l'angle euh, d'incidence, pardon, c'est ça, c'est θ. On va retrouver l'angle θ pour le rayon euh, diffracté. Ça, c'est le rayon diffracté. Et ça, c'est le rayon incident. Donc, Rx. Donc, θ, c'est quoi C'est l'angle de Bragg. Heather, hein ou l'angle de Bragg l'angle d'incidence, mais bien le rayon X incident et un plan réticulaire donné qui appartient à une famille hkl. Donc nous devons un angle d'incidence haut à l'angle de Bragg ou faire z l'angle de diffraction. Je vais l'angle de diffraction. C'est l'angle du rayon diffracté, que fait le rayon diffracté, avec la direction d'incidence. La direction d'incidence c'est ça. Donc si on prolonge le rayon incident, le rayon diffracté fait un angle avec le rayon incident, et deux fois θ, et non pas une fois θ, qui doit être un angle alterne interne, kif-kif, un l'angle réfléchi kif kiff la somme c'est deux fois θ. Donc, en réalité, l'angle euh, diffracté, c'est deux fois θ, mais par abus de langage, on confond généralement ça. On les confond, on colle l'angle de diffraction, c'est θ. Donc, ce n'est pas très important. Donc, l'essentiel, hein, ce qu'on exploite, c'est quoi On va exploiter la loi de Brock. Donc, c'est Donc, un petit rappel. Donc, il y a réflexion sur la famille HKL si l'angle d'incidence, qu'on appelle aussi angle de Bragg, Theta. Donc l'angle θ. Donc cet angle d'incidence, il doit remplir une condition, les la loi de Brack. Donc il faut que l'angle θ obéisse à la loi de Brack. Donc la loi de Bragg, elle elle, elle s'écrit comment 2 dhkl égale égal euh, pardon donc fois sin theta égal n lambda donc, ça, c'est une loi très importante. Donc, la radiocristallographie est basée sur l'utilisation de la loi de Brog. N, c'est l'ordre de la diffraction. Alors, si on a des diffractions. D'ordre 1, donc n égale 1, on fixe n égale 1, donc diffraction de premier ordre. Donc diffraction de premier ordre. Alors, on va avoir donc la, la relation va se simplifier encore, elle va, va s'écrire 2dhkl sinθ égale lambda tout simplement, tout court. Donc, on va toujours utiliser plutôt la deuxième relation, les On va toujours utiliser ça. Hein, Dans l'exploitation euh, des clichés, les données, les résultats de la DRX, on va toujours utiliser... La deuxième relation plutôt que la première. Donc, ça, c'est la loi de Braque générale pour un ordre de diffraction quelconque, les OADIMA entiers. Mais concrètement, donc dans la pratique, on va toujours mettre euh, n égale 1. Donc, on va toujours considérer que n est égal à 1. Et cela va euh, conduire à cette relation-là, il est simplifié, qu'on va toujours utiliser, 2DHKL sinθ égale lambda. Donc, en utilisant cette relation-là, M. Najmutawa nomme le calcul de l'équidistance DHKL des plans responsables. Donc, si je considère cette famille de plans responsables hein, de la réflexion, donc, à l'échelle de réflexion, les rayons diffractifs font même angle θ avec le plan que le rayon incident. La distance réticulaire. Oui, donc, c'est ma question. Alors, donc, quand l'ordre de diffraction n'est pas énoncé à l'exercice, bien sûr, on le prend 1. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Allez, je vais faire ma règle de la famille Toute réflexion d'ordre N sur la famille HKL est équivalente. À une. Euh, diffraction d'ordre 1 sur la famille n fois h, n fois k et n fois l. Donc dans la liste de l'indexation ou le déploiement sur les clichés, on peut trouver une famille 1, 1, 1 ou une famille 2, 2, 2 par exemple ou la 3, 3, 3, 3 tout dépend de la nature du composé. Donc si on se pose la question de la diffraction de deuxième ou troisième ordre, on va supposer que toutes les euh, réflexions sont d'ordre 1, mais à avec diverses familles donc je parle de la famille hkl ou batelé 2 fois h2k2l ou l3h3k3l donc une panoplie de familles qui correspondent toutes à n égale 1 ok démà n égale 1 pour pouvoir euh, faire facilement le dépouillement des clichés ben. donc qu'est ce qu'on a ici on a une liste d'angles theta pour chaque angle θ, on va calculer dHKL qui lui correspond. Ok Donc petit a. Donc, de troisièmement, petit a. Calcul de l'équidistance. Donc l'équidistance ici, c'est la distance. Inter réticulaire dHKL. Donc, comment faire le calcul À partir de la loi de Braque. Donc, la loi de Braque pour n égale 1 s'écrit 2dHKL sin θ égale une fois lambda, on va toujours supposer n égale 1, donc toutes les réflexions sont considérées de premier ordre, donc à partir de là, on tire dHkl. Mm -hmm. Donc, ça, je connais, c'est quoi, quoi l'ordre de diffraction Bien sûr, ça est une notion de physique, ah, si amine, hein c'est ça donc, en physique, euh, normalement, on a une partie euh, optique ondulatoire. Donc, cette partie-là traite la question de la diffraction et de l'interférence des ondes. En cristallographie, pour me tirer euh, la figure de diffraction, c'est histoire simple. En vrai, les plans réticulaires ne sont pas des simples miroirs. est nous, nous, on conclut que la diffraction est une réflexion sur la famille du plan réticulaire. La conclusion est que, après un certain nombre d'étapes, il faut étudier les interactions entre les rayons X et les électrons. On a deux modes d'interaction, les interactions élastiques et les interactions inélastiques. Donc, il faut choisir les interactions élastiques et les réactifs de diffusion cohérentes. ومن بعد الفو يتجي لو ميكانيزم دو لانتيراكسيون دي ريون زيكس افيك ميكانيزم هذاك فيه انتيراكسيون اونتر لا شارج الكتريك دي زيكترون اي لو شون الكتريك دي ريون زيكس. ومن غادي نلقاو روحنا في لي دو فيبراسيون فورسي بور لي زيكترون وبعد في ريلاكساسيون يل فون ايميتر دي زونت سفيريك وبعد لي زونت سفيريك ايميز بار شاك الكترون دواف انترفيري والانترفيرونس ما تصير وما تكون كونستركتيف الا ما يكونوا لي ديفيرونت رادياسيون اون فاز دونك تبدا عندي راديياسيون اون فاز باش يكون ثما ان ساتان ديفازاج هو في الحقيقه ما بين لي سينوزويد ديفازاج هذاك يزم يكون مولتيبل دو لا بيريود سباسيال اللي هي لامدا هذه هي لامدا Donc, le déphasage, c'est la différence de marche, le déphasage dans l'espace, c'est un multiple de lambda. Mais nous avons la notion d'ordre. Donc, il y le multiple, il y a une fois lambda, on a une diffraction de premier ordre, il y a deux fois lambda, une diffraction de second ordre, et ainsi de suite. Ok, Amine Donc, ces deux notions d'optique de, ondulatoire, vous allez les voir en détail en physique. Mais hein? nous en cristallo, on s'intéresse à l'utilisation de la loi de Braque. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est la loi de Braque. Bon, la loi de Braque générale, c'est un ordre de diffraction quelconque. Donc, ça, c'est un paramètre entier Ce s'appelle ordre de diffraction. Mais, pour simplifier encore, on va le considérer toujours égal à 1. OK Alors, dHkl est lambda par 2 sinθ. Lambda par 2 sinθ, on va appliquer ça. Avec, bien sûr, lambda donné l'exercice. Donc, lambda est 1,54 angstrom. 1,54 angstrom. Donc, tout simplement, on doit appliquer ça. 1,54 angstrom qu'on divise par deux fois sin Donc, cela va euh, nous conduire à un tableau, donc, j le tableau heavy ça doit être ça, voilà, c'est ça. Donc, on applique cette relation-là, tout simplement, on obtient ces résultats. Donc, les valeurs données de la liste, on a 18,13 degrés, on applique la relation heavy donc 18,13 degrés, ça va donner ça. Ensuite, pour 26,10 degrés, on obtient euh, cette valeur, la deuxième valeur, et ainsi de suite. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque L'ordre des angles d'incidence θ. Donc là, on voit un ordre croissant. Pour DHKL, ça va être un ordre décroissant. Donc, la première, DHKL, distance interéticulaire calculée, est la plus grande. ou BAD, ça va diminuer petit à petit. Okay? Donc, c'est toujours comme ça. Hein? Il faut suivre l'ordre croissant pour l'angle d'incidence, ou z pour l'angle de diffraction. Elle est 2 fois θ. Je compte l'exercice 2. DHKL est listé par ordre décroissant. C'est toujours comme ça. Bien sûr, ici, DHKL s'exprime en angstrom, puisque lambda est Z donné en angstrom. Alors, donc ça c'est clair, hein? j'espère bien. Alors, une fois on a calculé l'équidistance DHKL, on va déterminer le mode du réseau auquel appartient la substance analysée. Comment déterminer le mode du réseau à partir de ces données? radio cristallographique. Donc, on a DHKL. on à partir de DHKL? Donc, ça, c'est la question B. Question B, donc, troisièmement, B. Donc, détermination du mode de réseau. Donc, nous avons besoin structure cubique, système cristallin cubique. Il y a trois modes possibles. helbe P, P, I ou F C'est la question. Donc, déterminer le mode de réseau, ça revient à faire des tests d'hypothèses. On commence par supposer que le mode P. On a, nous, la réalisation du test d'hypothèse correspondant. Donc, il faut tester une hypothèse qui correspond à, au mode P. L'hypothèse de la conclusion est mode P, sinon on rejette l'hypothèse et on passe à l'hypothèse suivante qui concerne le mode I. C'est bon, c'est le mode I, sinon ça sera le mode F. Donc c'est une série de tests d'hypothèses. Les tests, on arrête ces tests dès qu'une hypothèse est jugée vraie. Donc maintenant, on va utiliser la méthode des rapports. La méthode des rapports. Alors, c'est quoi cette méthode des rapports Donc, tout d'abord, on commence par supposer que le mode épais. Donc, si le mode épais, Primitif. Alors le rapport d1 sur di le tout au carré correspond à h i carré plus ki carré plus li carré. Donc et là, on a introduit le compteur I. On a des différentes valeurs de l'angle. Donc, si j'introduis le compteur I, θ1, θ1, θ2, ainsi de suite, on va avoir ici d1, d2, et ainsi de suite. Donc, si je fais le rapport d1 par dI, donc I allant de 1 jusqu'à 8, la première valeur, puisqu'on a, évidemment, mais on va obtenir certaines valeurs donc, il le mode P. Alors, on a ça. Ce rapport-là correspond à HI carré plus KI carré plus LI. Allez, 4 D1. D1, c'est la plus grande distance interréticulaire. Il a tout simplement. La première famille qui diffracte, il y 1, 0, 0. بون bon, ثما شكون يسال فيها على لو مود اس اون جامي سو مود لو دونك ثما لي مود ا بي سي هذوك دي كريستالان كيما لورتورومبيك وكيما لو كوادراتيك بون euh, bon, كوادراتيك لو euh, مونوكلينيك دونك مود اس نو جامي دونك احنا On s'intéresse au On applique euh, la radiocristallographie, surtout la méthode des poudres via de Scherer, On l'applique pour les cristaux qui cristallisent dans le système cubique. Donc, on a trois modes possibles est I F. Alors, bimano d1 égale a, ou di, pour une famille quelconque qui est biskon a sur racine h i carré plus k i carré plus l i carré. Alors si vous faites le carré de ça par ça, d1 par di à tnaha, vous avez le can fait le dénominateur, numérateur, élevé au carré. On fait disparaître la, la racine et on a ça. Mais ça, c'est quoi la somme de trois carrés? C'est toujours un entier. Et puis, il y a des nombres interdits qui ne doivent pas figurer. Donc, HEDESHNO y a entier différent de des nombres interdits, c'est-à-dire D1 par DI, le tout au carré, doit être toujours un entier différent des nombres interdits, luhuma 7, 15, 23, 28, hizuma, ce sont les nombres interdits. Ok, les nombres interdits. Et ici, l'hypothèse du mode P. Donc, est-ce que le cristal analysé appartient euh, au réseau cubique primitif ou non Il faut tester ça donc les distances donc qu'est ce qu'il faut faire il faut calculer ce rapport et voir si cette hypothèse est vraie ou non donc voyons si cela est correct donc euh, ça doit être le deuxième voilà ainsi dire regardons un peu qu'est ce qu'on a ici d 1 sur DI au carré donc, valeur je est heavy. par elle-même, et on élève au carré, ça c'est 1, évidemment. Deuxième valeur, on trouve, donc la valeur égale 1,9996, c'est quasiment égal à 2, donc on retient 2. Pour la troisième, on retient 3. 2,997, c'est 3. On bat 4, exactement. 5, 6, 7, 8. Donc, qu'est-ce qu'on constate Toutes les valeurs sont des entiers. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Conclusion. Est-ce qu'on conclut que c'est le mode P ou non En interaction, est-ce ici on a mode P Est-ce qu'on doit conclure que le mode est primitif ou non Est-ce qu'on doit accepter l'hypothèse ou la rejeter mm -hmm. Voilà, très bien, il y a un 7, trop de belles comme ça, c'est un piège. Raoumous que ma rapport de 1 sur le car est le des entiers mais il y a des fiches entier. Ils entières, il y a des différentes des nombres interdits. Les nombres interdits ne doivent pas figurer dans la liste. Madame, c'est un 7, alors... Cette hypothèse n'est pas vraie, il faut rejeter l'hypothèse du mode P et il faut donc passer à quoi À tester l'hypothèse du mode I. Donc je vais faire disparaître le premier tableau. Donc normalement ça doit être celui-là, voilà. Donc l'hypothèse du mode P doit être rejetée. Alèche, à la 4, il y a ce 7-là. Le mode n'est pas primitif. Donc on doit écrire ça. Donc, le mode le mode n'est pas p n'est pas p car le nombre 7, Est interdit. Madame, interdit, il ne doit pas figurer dans la liste, mais on l'a quand même. Ah ouais, Moujoud. Madame, Moujoud, nombre interdit, alors il faut rejeter l'hypothèse du mode P et on passe à l'hypothèse suivante. L'hypothèse suivante, mode I. Mode I, pour le mode I, qu'est-ce qu'on a Deux fois ce rapport correspond à la somme des carrés des indices. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici On voit toujours des entiers. Est-ce que ça m'a des nombres interdits la liste heavy? Il n'y a pas. Donc, on a toujours des entiers. Donc, tous les rapports deux fois D1 sur DI carré sont des entiers euh, différents des nombres interdits 7 15 les donc conclusion on conclut que le mode est إذا كنت عداو نعملو ليني سويفون 3 فوا دي 1 سور دي اي كاري نو اون في با سا مادام طلعت عندي ايبوتيز euh, euh, دونك عندي مود مثلا اي دونك لا يل نوفو با باسيه ا 3 فوا دي 1 سور دي اي كاري سا سنا أي كان ما عنده حتى معنى دونك زيد باش تعمل تيست اف il faut jamais commencer par tester le mode F. Si Parce que, trois fois d1 sur d carré, automatiquement, je le cas des entiers. Ça, c'est évident. une conclusion Donc, cela va nous induire en erreur. Je suis talgomanette hypothèse du mode F. ça C'est faux. Donc, il faut respecter l'ordre. Il faut commencer par tester le mode P. Euh, le mode P, pardon. Ensuite.

Laquelle peut être attribuée à cette substance Donc, substance analysée, donc elle doit appartenir à l'une des deux structures, une et deux. Structure 1, qu'on a décrit, il mode P, C'est 1, donc un des deux atomes différents, le mode primitif. Structure 2, mode I. Donc, on a le mode euh, le cliché mais la radio donc la méthode de Dubaï-Cherrier a mode donc il s'agit de la structure 2, et non pas i donc -le substance taille les atomes identiques des atomes au sommet de la maille et un atome au centre de la maille tous les atomes sont identiques ok donc finalement petit tu sais? ici Petit c. Donc ça, c'est la question troisièmement C. Donc, puisque le mode est centré, mode E, alors la substance appartient à la structure de tout simplement ça c'est évident alors dernière question on demande le paramètre de la maille paramètre de la maille troisièmement d comment calculer le paramètre de la maille Donc, pour le calcul de, du paramètre de la maille, il suffit d'utiliser la relation. Voilà, 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 c'est bien, c'est bien. Donc, euh, pour toute réflexion, Donc, je vais noter H, I, K, I, L, I. Donc, on, a, on a introduit un compteur I quand même. On a. Donc, D, I, A sur racine h i carré plus k carré plus l carré. Donc, relation heavy, hein? mais une distance interréticulaire, ou les indices de Miller, ou paramètres de la maille. Donc, la relation système cubique. Donc, système cubique. Si on change de système cristallin, on va avoir une autre relation, mais avec un autre programme. Donc, on applique ça uniquement dans le cas du système cubique. Donc, à partir de là, on peut calculer A par le produit donc DI fois racine de la somme des carrés h carré plus KI carré LI carré. Donc, l'idéal, Madame, a un ensemble de réflexions, en huit réflexions là on va obtenir huit valeurs donc à chaque fois, on a une valeur AI. Donc puisqu'on a des valeurs très proches, bien sûr, on va de la valeur moyenne. Donc, on a tout le tableau, la fille qui est heavy. Donc ça doit être ça. Voilà. Donc, on faire un calcul. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai repris les angles d'incidence et à les distances et interéticulaires donc, deux fois le rapport à des entiers qui sont différents du nombre interdit. Donc, ça, c'est un tableau qui résume tout. Hein. On peut aussi déduire les réflexions HKL. La somme des carrés est heavy. Deux fois D1 sur DI, qui est écrit. Donc, pour le mode I, on a ça. C'est la somme des carrés. Donc, la condition est heavy. Pour le mode I, c'est deux fois, il faut faire deux fois ça pour avoir la somme des carrés. Okay donc là, on a. Euh, donc, madame a dit i. Alors, deux fois d1 sur d i, le taux carré, correspond à h i carré plus. K carré plus L I au carré. Donc, les valeurs obtenues pour ce rapport-là, de, ce nous le somme de, des carrés de trois indices HKL. Maintenant, on déduit la famille, donc, la famille, 1 1 0 1 1 0 1 au carré plus 1 au carré, ça 2. Là, pour 4, c'est 2 0 0 2 au carré et 4. Pour 6, on a la famille 2 1 1 2 au carré 4 plus 1 plus 1, ça fait 6. Et ainsi de suite. Pour 8, 8 est 4 plus 4, donc 2 2 0. Pour 10. 10 hier 9 plus 1, maintenant 3 au carré plus 1 plus 0, donc 3, 1, 0 et ainsi de suite. Donc de cette manière-là, on réalise ce qu'on appelle l'indexation des réflexions. Donc, on la famille des plans réticulaires HKL pour chaque ray diffracté. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on constate On peut vérifier quoi On peut vérifier une règle d'extinction très importante. Je n'ai pas règle d'extinction dans le cas du mode I. Donc, ça m'a une règle d'extinction pour le mode I. Donc, les règles d'extinction, elles sont sur les intensités diffractées. Quand l'intensité est non nulle, ça m'a des conditions sur hkl. Donc, on a h plus k plus l, ça me fait deux N. ceci pour le mode I, bien sûr. La somme doit être paire. Donc, voyons ça. La famille 1, 1, 0 qui n'a la somme. Dans le cas 2, somme paire. 2, 0, 0. Kif, kif, 2. 2, 1, 1. La somme est égale à 4, paire. 2, 2, 0. Somme égale à 4, kif, kif, paire. 3, 1, 0. 2, 2, 2. 3, 2, 1. Et 4, 0, 0. On a toujours une somme paire. Cela correspond au mot I. OK? Donc, l'exercice, on n'a pas demandé cette indexation, mais je la fais quand même. Donc, l'essentiel, pour trouver le paramètre, on va appliquer ça sur chaque réflexion. Donc, si on applique ça sur l'angle, donc, pardon, sur D1, HKL, donc, racine de la somme et racine de 2. On fait racine de 2 fois ça. On obtient une première valeur du paramètre A, la est 3,499. Si on refait la même chose ici, on va avoir 350, 350, 3,499 et ainsi de suite. Hein. Donc les valeurs sont très proches. Et à partir de toutes ces valeurs-là, on déduit le paramètre A par la moyenne. Donc le paramètre de la maille sera la moyenne. Sur l'ensemble des valeurs obtenues. Donc, on fait la moyenne O, moyenne des AI. Donc, somme de toutes les valeurs AI. Par le nombre de réflexions, ici le nombre de, de réflexions c'est 8. Donc on a 4 plus 4, 8. Donc tout calcul fait, on va trouver bien sûr une valeur très proche de ça, les autour de 350. Donc je crois que voilà 350 angstrom. Ça c'est le paramètre de la maille. 3,50 angstrom. Voilà. Donc, ça, c'est le paramètre demandé de la maille. Donc, euh, est-ce que vous avez des questions concernant l'exercice On vient de finir cet exercice-là. Donc, l'exercice-là, -là, on a euh, rassemblé deux aspects l'aspect géométrique et euh, l'aspect euh, radio, disons radiologique, de la cristallographie. Donc, exercice 2 avait un extrait, même un sujet de concours MP Session 2022. Donc, il fait partie de tout un problème de cristallographie. Donc, il juste la partie DRX. Alors, à l'aide d'un diffractomètre, le diffractomètre ou l'appareil sur lequel on réalise la diffraction et l'enregistrement du clichés. donc l'appareil équipé d'un tube aux rayons X, donc tube éveille. Euh, il nous délivre un faisceau RX monochromatique de longueur d'onde lambda. On réalise la diffraction des rayons X sur une poudre cristalline d'un cristal A. Donc, la formule est Mg2 Cu4. On va admettre cette formule-là. Donc, le cristal A il est constitué de deux types d'atomes des atomes de magnésium et des atomes de cuivre. Donc, c'est un alliage métallique. Alors, ce composé, ce cristal, appartient à un réseau cubique de paramètre a, Donc, on donne le paramètre de maille, le haut à 703,01 picomètres. Alors, le tableau, si après, donne les angles de diffraction du premier ordre. Donc, sauf on va toujours supposer l'ordre égal à 1, l'ordre de la diffraction. Donc, c'est le cas ici, on a n égal 1 ainsi que les indices de Miller des plans qui diffractent des rayons X. Donc, ce tableau-là, on a les familles HKL, مثلا, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 3, 1, 1, et ainsi de suite, et on a 2 θ, et 2 θ, et 2 θ, et 4 θ, ceci correspond à quoi Correspond à l'angle de diffraction. Donc là pour montrer plus cette histoire d'angle de diffraction, donc c'est un petit schéma, c'est un petit rappel. Donc le, ce schéma-là résume l'expérience de diffraction. Donc l'échantillon, il est là, il occupe le centre. De la chambre de dubaï les chambres circulaires de rayon R. Donc, le rayon X incident, le faisceau incident, lorsque ce faisceau tombe, sur euh, l'échantillon. Donc, ça des familles. Donc, par exemple, une famille de plan réticulaires comme ça fait l'angle d'incidence θ, va renvoyer le rayon diffracté. Alors, l'angle de diffraction, l'angle entre le rayon diffracté et la direction d'incidence. Direction d'incidence, heavy. Donc, l'angle, c'est deux fois θ et non pas θ euh, tout simplement. Donc, l'angle de diffraction, deux fois θ. Bien. Alors, première question, on demande de déterminer la longueur d'onde lambda du rayon X utilisé. Donc, dans cet exercice-là, on n'a pas don donné la longueur d'onde. Donc, parfois, on mais dit la longueur d'onde est les données concernant les familles qui diffractent. Donc, longueur d'onde, qu'est-ce qu'on doit exploiter Tout simplement, on doit exploiter la loi de Brock. Donc, question 1. Donc, loi de Braque. Je pas problème. 2D HKL fois sin theta égale lambda. Donc, la a la, loi de, Bla, euh, la pardon, loi de Braque pour n égale 1. Diffraction de premier ordre. Donc, déjà, on a l'énoncé, ce sont les diffractions de premier ordre. Donc, à partir de là, on va tirer lambda. Donc, lambda, c'est ça. Et avec... dhkl la distance interéticulaire pour une famille donnée c'est quoi c'est le paramètre a divisé par racine de h carré plus k carré plus l carré puisque on a le système cubique hein Là, je l'ai donc le composé analysé, c'est un composé métallique, il appartient à un réseau cubique. Madame, réseau cubique, alors on peut toujours appliquer cette formule-là. La relation entre DHKL et les indices de Miller. Donc, à partir de là, il suffit toi, de choisir une réflexion parmi les, euh, donc les réflexions listées dans le tableau. Si je choisis par exemple, 1, 1, 1 donc, le calcul qui fait Spéchikoun, qu D111, il y a A, divisé par racine de a plus 1, plus 1, c'est-à-dire A sur racine de 3. OK Le paramètre A, il est donné, il est en picomètre. Alors, donc, famille 1, 1, 1, on a D111, égal a sur racine de tour hein? Donc, cela va correspondre à une certaine valeur. Donc, a, il y et 700 tourreau, virgule 1, donc virgule 0,1 picomètre. Donc, tout d'abord, Ismaël Scoltarf, c'est quoi le picomètre? Donc, un picomètre, c'est quoi? C'est 10 moins 12 mètres. Donc, un picomètre, Là, il faut un angstrom ou 10 moins 10 mètres. Donc, un picomètre ou 10 moins 2 angstrom. Donc, 10 moins 12 mètres, cela correspond à 10 moins 2 angstrom. Donc il faut 100 picomètres pour avoir un angstrom. Donc paramètre A et v, si on divise par 100, on convertit en angstrom. Donc A égale 70301 angstrom. Donc à partir de là, il est possible de calculer les distances interréticulaires pour toutes les réflexions. En réalité, si on, on prend n'importe quelle réflexion, on va toujours obtenir la même valeur lambda. Donc, maintenant, nous avons réflexion de 21, donc 2θ égale 21,87. Donc, lambda, à partir de cette valeur-là, est 2d111 fois sinus theta, c'est-à-dire 2 fois a sur racine de 3 fois sinus, donc, la valeur m'tana, elle est. 21 à 87 et il faut diviser ça par deux 21 à 87, il y a deux theta, ils n'ont pas euh, theta. On fait le calcul, vous voyez le cas comme fait le mode pour l'angle, il y le trois modes il y le degré, le radian, le grade Donc, euh, il faut vérifier que le mode actif dans la calculette soit degré dans ce cas-là. Donc, si on réalise le calcul, on va trouver la valeur 1,54 angstrom et ceci est vrai quelle que soit la réflexion. Donc, il y en a, donc, lambda égale 1,54 angstrom. Donc, le calcul donne ça. Donc, la valeur heavy, quelle que soit la réflexion considérée, vous pouvez tester hein, toutes les réflexions. Hein, tester heavy ou heavy ou heavy. la même valeur. Donc, euh, toutes les réflexions euh, conduisent a la même valeur de lambda donc on trouve toujours la même valeur de lambda bien donc ça c'était la première question ensuite question 2 quel est le mode de réseau auquel appartient le cristal a justifié donc la méthode de rapport' la test des hypothèses la les familles qui diffèrent tout simplement. Donc, on a les HKL. Donc, on famille On n'a pas la famille 1-0-0. On n'a pas non plus la famille 1-1-0. On la famille 1 1 -0. Donc, qu'est-ce qu'on constate si on regarde les familles Qu'est-ce qu'on constate 2, 2, 0. Est-ce qu'on a réflexion pour euh, n'importe quelle famille de plan réticulaire Pourquoi on n'a pas 1, 0, 0 Pourquoi on n'a pas 1, 1, 0 Pourquoi on a 1, 1, 1 et ensuite on passe à 2, 2, 0 Donc, il y a une règle d'extinction, comme Donc, question 2. Maintenant, je vais faire un petit rappel. Rappel. Les règles d'extinction. Je m'en ai extinction. Quand on extinction, on a extinction systématique si des règles qui sont prévues par la loi de Bragg ne sont pas observés à la hauteur 4 l'intensité et Donc, condition sur les indices HKL pour que les raies soient présentes. Donc, là, je vais résumer la condition de présence de la raie pour les trois modes possibles. Donc, c'est en fonction du mode du réseau. On a là, là, la condition. De présence. Ce n'est la condition euh, que doivent satisfaire les indices de Miller hkl euh, pour que l'arrêt, le de diffraction soient présentes, l'intensité diffractée, ils différente différent de zéro. Si l'intensité s'annule, cela signifie extinction. Extinction. I égale zéro. Maintenant, ray absente. La n'existe pas, bien que la loi de Bragg soit satisfaite, mais il n'y a pas de ré de diffraction. Le détecteur ne détecte aucune intensité diffractée. Ou alors, si on un film photographique, il n'y a aucun impact. L'intensité est nulle. Donc, les conditions sont juste à savoir il faut les admettre. Donc, on a trois cas possibles P et F. Nous avons les trois modes possibles. Donc, Pour le mode P, ni à la condition. Pour le mode I, c'est quoi la condition? Pour le mode F, c'est quoi la condition? Donc, mode P, pas de condition. Ma a condition pour le mode P. Pas de condition. Sur HKL. Il n'y a aucune condition. Pour le mode I, il faut que la somme H plus K plus L soit P. Somme P. Donc, évidemment, je finis l'exercice 2. Euh, plutôt l'exercice 1. Ici, si le mode EF, qu'est-ce qu'il faut Il faut que H, K et L soient de même parité. Les règles d'extinction, il faut les savoir. Ça, c'est très important. Je exercice vous exercices un exercice extrait du concours. Donc, le concours, il faut avoir en tête, en ce qui concerne la diffraction des rayons X, deux choses la loi de loi de Braque, et les règles d'extinction. Il faut vraiment les retenir. En ce qui concerne la DRX. Donc, règle d'extinction, c'est en fonction du mode. Mode P, ma condition à l'HKL toutes les familles diffractent, donc toutes les réflexions sont observées. Mode I, il faut avoir ça, la somme des indices doit être pair. Mode F, il faut avoir ça, les indices sont en même parité, soit ils sont tous pairs, soit ils sont tous impairs. Ok? Donc, si on regarde bien la liste, est-ce qu'on a une somme paire ici La famille 1, 1, 1. La somme n'est pas paire. Donc, est-ce que la condition de présence du mode I Non, ce n'est pas ça. Regardons ça. HKL de même parité. 1, 1, 1. Ils sont tous impaires. HKL sont de même parité dans la première réflexion. 2, 2, 0. Ils sont tous paires. Donc 1, 1, 1, tous impaires. 2, 2, 0, tous paires. Ensuite, 3, 1, 1. Ils sont tous impaires. Ou bas, 2, 2, 2, tous paires. Au lieu de fait 4, 0, 0, au bas de un père fait 3, 3, 1, et ainsi de suite. Donc, si vous prenez n'importe quelle réflexion, vous allez toujours avoir trois indices de même parité. Soit ils sont tous pairs, soit ils sont tous un Vous voyez ça Donc, dans toutes les familles, hein? 4, 4, 0, 5, 3, 1, 6, 2, 0, 5, 3, 3, 6, 2, 2. 4, 4, 4, 5, 5, 1, 6, 4, 2 et 7, 3, 1. Donc, la dernière famille, les trois indices sont un paire. L'avant-dernière famille, les trois indices sont paires. OK? Donc, qu'est-ce qu'on constate? Dans chaque réflexion observée H. K. L. En même parité. Donc, on conclut quoi? que le réseau est de mode F. Mana il s'agit du réseau cubique face centrée. Donc le cristal O, le cristal analysé, appartient Au réseau cubique à face centrée, c'est le réseau F. Ouais, le cubique F, donc on peut le cubique F au cubique à face centrée. Ok, donc ça c'est la question 2. Alors, troisième question. On va déterminer la masse volumique de ce cristal, sachant que la maille élémentaire contient 4 unités formulaires Mg2CU 4 Masse volumique. Question 3. Donc masse volumique. Masse volumique. Rho. Donc, nous avons dans les notions de structure. Donc, la notion de masse volumique, ça n'a pas été évoqué dans le chapitre Loul, euh, le euh, cristallogéométrique. En cristallogéométrique, on s'intéresse aux, notion, aux notions de réseau et, et non pas aux notions de structure. Donc, dans les notions de structure, le la notion de masse volumique, cas de la notion de compacité. Donc, il y a beaucoup de notions qui seront vues au fur et à mesure le, les structures métalliques ou ioniques ou covalentes. Donc, Rho, on va rappeler ça. Rho, c'est quoi? Masse volumique. Je ai pas masse volumique. Donc, il faut considérer un échantillon de volume V, chercher la masse de cet échantillon-là et faire le rapport M sur V, tout simplement. Donc, c'est le rapport M sur V pour euh, un volume donné et on va faire ceci, quel que soit le volume V, donc il y a par rapport à inchangé, on va faire ceci au niveau d'une maille. Donc l'échantillon, l'ibjou, une maille. Donc, la masse du contenu de la maille divisé par le volume de la maille. Et la masse du contenu, Z fois la masse d'une unité formulée. Donc l'unité formulaire, maintenant l'ensemble d'atomes qui définit la formule, on appelle ça groupement formulaire, et on divise ça par le volume de la maille. Oui, donc c'est ma question, maintenant je vous la question en temps. Alors, Voilà, voilà. Donc, on a un retour euh, à la question 2. Donc, on oui. a je suis mode pisse S'il n'y a pas de condition, mon hackette I ou F ne sont pas satisfaits. I, ça implique... Ah. j'ai effacé ça. Mais... Donc, le mode I correspond à ça. -à dire ça, c'est ma condition. Mode P, supposons le, le mode GP, hein, supposons. Donc, pour répondre à la question de Amin, si on avait le mode P, je n'ai pas de liste, 1, 0, 0, ou 1, 1, ou c'est-à-dire que toutes les réflexions sont possibles. Il y a n'importe quelle valeur entière de HKL, on pourra observer, des de, euh, de diffraction. فهمت ان زيرو زيرو موجودة في الليستة ان ان زيرو موجودة في الموت بي اوكي ما ثماش كونديسيون لا دو ميم باريتي لا سون بير لا حتى شيء كيف سي اون روغارد سيت ليست لا شنو نستنتج نستنتج انو ثم كونديسيون معناتها موش لي ريفليكسيون الكل موجودين ان زيرو زيرو ماهيش موجوده ان ان زيرو كيف كيف نون بلو ماهيش موجوده On a le cas, nous, dans chaque réflexion, les indices HKL sont de même parité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut voir si toutes les réflexions sont là ou là. Et avec une femme des réflexions absentes, alors il faut faire une condition. Donc, il faut voir si elle est heavy ou elle est heavy, tout simplement. Madame, la liste est donnée. Donc, il est facile de voir laquelle parmi ces deux conditions-là est vraie. Les deux conditions correspond à la liste donnée, ok voilà. ben, Donc nous donc, masse volumique. Comment calculer la masse volumique Donc on va raisonner au niveau d'une maille. On raisonne sur une maille. Donc maille a un volume V. Il faut chercher la masse de la maille, c'est-à-dire la masse du contenu de la maille. contenu de la maille, la maille contient un certain nombre d'unités formulaires. Donc, la masse de l'unité formulaire fois Z. Z, Z c'est le nombre de groupements formulaires. Donc, avec Z, c'est quoi C'est le nombre de groupements. Donc, on dit groupement ou bien unité, kiff-kiff. Unité formulaire. Formulaire. Donc, groupement formulaire ou la unité formulaire dans la maille, bien sûr. Donc, il y en a, je dois décaler un peu comme ça. Alors. Donc, nombre de groupements formulaire dans la maille. Ok Donc dans notre cas, on revient l'exercice. Nous avons donné que la maille élémentaire contient 4 unités formulaires. L'unité formulaire est Mg2 Cu4 et on a 4 unités formulaires par maille. Donc z égale 4. Ok Donc, or, la maille contient quatre unités formulaires. Les HOMA, les, les unités formulaires homa mg 2 cu 4 dans chaque unité formulaire, il y a deux atomes de magnésium et quatre atomes de cuivre. OK Donc deux atomes de magnésium et quatre atomes de cuivre définissent une unité formulaire. Mais dans la maille, il n'y a pas une seule unité formulaire, il y en a quatre. Donc, شنو On a Z égale 4. B. retour le masse volumique. Qu'est-ce qu'on va écrire On va écrire quatre fois donc, z égale 4, 4 fois la masse d'une unité formulaire. Mais une unité formulaire, c'est quoi C'est deux atomes de magnésium et quatre atomes de cuivre. Mais faut les données, je dis les masses atomiques individuelles sont des masses molaires atomiques. Et n'ont pas des masses atomiques. La masse atomique, ça s'exprime dans l'échelle atomique. L'unité de masse atomique, les est conventionnelle. On n'utilise pas cette échelle-là. On utilise l'échelle molaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire si on utilise les masses molaires, il faut diviser par le nombre d'Avogadro et l'expression devient comme suit. Z fois masse molaire de l'unité formulaire, il Mg2Cu4, et on doit diviser par le nombre d'Avogadro, ensuite volume de la maille. Ok est l'expression. Donc, on remplace Z par sa valeur. 4 fois masse molaire de mg 2 ce 4 divisé par nombre de vos gèdreaux. Alors si le volume de la main donc volume de la main cubique, je compte a au cube, tout simplement volume d'un cube. Alors le paramètre a il va qu'à nous donner en angstrom. Supposons que a est exprimé en angstrom. Maintenant le volume en angstrom cube. Donc, nous avons un angstrom de 10 moins 10 mètres. D'accord. 10 moins 10 mètres. Et on doit convertir en centimètres. Allez, à la chat Heavy. 1 gramme par centimètre cube. Donc, hein, angstrom cube. Il se mis un centimètre cube. Comment faire cette conversion-là? Il faut chercher ça. Un angstrom en centimètre. C'est quoi? Là, il faut un mètre ou 100 cm. Donc, ça a un rapport de 100. la valeur heavy ou la valeur Donc, on va avoir 10 moins, 8 euh, pardon, 10 moins 8 cm. Alors, un angstrom au cube correspond à 10 moins 8 au cube. Donc, cela conduit à 10 moins 24 cm. Donc, si on doit faire la conversion nécessaire, qu'est-ce qu'il faut faire, Il faut multiplier ça. Sinon, on va avoir un résultat exprimé en grammes par en 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 cube. Donc, elle a une valeur non conventionnelle et infiniment petite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut amplifier ça par le facteur 10 puissance 24. Donc, ceci à condition de D'exprimer le paramètre de la maille en angstrom. Donc, si on fait alors, le calcul, application numérique, application numérique, qu'est-ce qu'on va avoir Donc, 4 fois z égale 4, donc. Les masses molaires sont données l'énoncé de l'exercice. Donc on a magnésium 24,3. Cuivre 63.5. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on a 2 mg. Donc deux fois masse molaire du magnésium. 24 I24.3. Ensuite, cuivre 4 fois 63.5. On divise par le nombre de vos gadro, les tarfour, 602, 10 puissance 23. Le paramètre de la maille, il est haut donner en picomètre, 703,01. Donc, juste un conseil que je vous donne. Comme dit, vous convertissez en Angstrom, le facteur avec de conversion en 10 puissance 24. Donc, au lieu d'écrire 703, tu as 7,0301 Angstrom. Donc, 7,0301, on porte au cube, et on amplifie tout ça par 10 puissance 24. Pour que le résultat soit exprimé en grammes par centimètre cube, donc euh, si on fait le calcul, on va trouver la valeur suivante alors Mg2CU4 c'est 5,79 grammes par centimètre cube. Donc, elle le résultat final pour le composé métallique Mg2CU4 C 579 donc elle est arrondie au deuxième chiffre gramme centimètre moins -oh. voilà